Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Mondus Bellicus, cité forum de jeux de stratégie, d'histoire et de petites perles, comme Mountain Blade Warband. Alors c'est Elrond Petit Patapon sur Brighton Walda version 1.4 pour l'épisode 11 de la campagne Ira Emma Inri. Alors peut-être que vous l'avez remarqué, Mountain Blade Warband qui est en version 1.154 sur votre écran. Et monté de version, il est maintenant en version 1.157. Alors malheureusement, il semblerait que Brighton Walda ne soit pas compatible avec cette version-là. Par contre, il semblerait que les modeurs vont s'atteler à la tâche. Donc peut-être quand cette émission sera diffusée, ils auront modifié le mode et ils l'auront rendu compatible. Mais pour le moment, la seule solution pour pouvoir jouer à Brighton Walda, c'est soit de jouer pour ceux qui ont Steam, de mettre Steam hors connexion avant de lancer le jeu, ou alors d'en faire une copie, parce que évidemment après quand vous jouez en multijoueur, et sur le module native, vous ne pourrez plus jouer puisque vous servez en version 1.154, donc il y a la solution de faire une copie de votre dossier Mountain Blade Warband. Et puis, quand vous voulez jouer à Brighton Walda, vous mettez Steam hors connexion et puis vous passez la copie. Vous jouez sur la copie, quoi, en réalité. Voilà, alors c'est parti, on continue pour cet épisode numéro 11. Alors, sans doute vous vous rappelez, ça n'avait pas été fameux à la fin de l'épisode numéro 10, puisque j'étais parti chercher des renforts, renforcer mon armée, enfin ma troupe. Et en revenant, j'ai fait une mauvaise rencontre et je me suis bien fait éclater. Donc en réalité, mon petit voyage pour aller recruter mes troupes, aucun bénéfice, si ce n'est que j'ai dépensé des sous pour rien. Mais vous vous rappelez aussi de la victoire glorieuse dans le tournoi et de la prise du château Gilles de Ford. Ok, allez, on y repart. Où c'est que je suis là? Je me rappelle même plus. Ah bah je suis là. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Peuple des angles, on s'en fout de... Alors d'abord je vais regarder, tiens, mon inventaire. Est-ce que j'ai des trucs à vendre? Oui, sans doute un peu de sel. Bon, j'ai quand même 12 000 shillings. Oui, j'ai des choses à vendre. On va aller vendre ça. En faisant gaffe. De ne pas tomber sur des ennemis. Non, ça, ce sont des alliés. Allez, allons vendre. Alors, place du marché. Marchand de biens. Oui, oui, oui. Oui, on vend, on vend. On vend, on vend, on vend, on vend. On vend. Ah merde, oh putain, n'importe quoi. On récupère, on récupère. Putain, ça se vend bien ici, ça. Tout se vend bien en réalité. Tout se vend bien. Ok. Oui, je vais accepter. Cela ira. Payez-moi ça. Demi-tour, un petit tour à l'auberge. Mercenaire professionnel. Combien tu prends, toi? 2800 pour 9. Je vous recrute. Des pros, quand même. Voyageurs, je m'en fous. On sort. Ah merde, je suis dans les rues de la ville. Réveille-toi, Elrond. Ah, remarquez, ça nous permet de faire un petit tour dans la ville. Sympathique. Ouais, vraiment sympa, hein, le travail des modeurs, j'arrête pas de le dire à chaque épisode, mais vraiment bravo, bravo, bravo. Ceux qui aiment jouer en jeu de rôle, là, ils doivent s'éclater comme des fous, quoi. Même s'y promener un petit peu comme ça, c'est vraiment sympa. Bonjour madame. Regardez-moi ce bouclier. Il est pas beau ce bouclier?
celui-là est comment? Ah, c'est le même, évidemment. Bien. Allez. On. Pam 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 pam. On a des petites choses à vendre. Nous avons 67 soldats, d'accord. Allez, on va aller recruter un petit peu de troupes et vendre un petit peu ce que nous avons. Voilà, à Seaborough. Capitaine, nous sommes maintenant sur les terres tenues par le royaume de Gewissae. Gewissae, pardon. Ouais, bref. La région des plus braves anglais et saxons. Est-ce qu'il y a des anglais qui sont braves? Dites-moi plus. Les guerriers de Gewissae, ouais, sont célèbres pour la bataille de Deoram en 577 après Jésus-Christ, où les Saxons ont défait une coalition de rois bretons près de la colline Hinton. Les rois Comagil, Condidan et Farenmagil de Bath ont tous été tués dans la bataille et leurs forces en déroute. Cette victoire a permis aux Saxons d'atteindre leur réelle puissance. Depuis lors, trois villes de la région de Bath ont été prises par les Bretons. Si vous visez Gewissae, il vaut mieux être très bien préparé. D'accord. Mais c'est pas du tout ce que je veux. Ce que je veux, c'est aller ici, lui vendre ce que j'ai, en espérant qu'il soit intéressé. 348, oui, ça vaut le coup. Et là, 340, ouais, l'autre il m'a racheté 416. Qu'est-ce que je fais? 340, et puis évidemment l'autre il la vendra, il la prendra moins cher. Allez, je vends. Je vends, je vends, je vends, je vends. Par contre, au niveau de la bouffe, j'ai pas beaucoup de diversité. Il n'y a pas de pain pour la saucisse. Alors, on va mettre un peu de pain. On va mettre des petits fruits pour le dessert. Et le déjeuner, et le petit déjeuner. La bière, elle est chère sa bière, mais plus de 14 morales aux troupes. Allez, allez les gars, un peu de bière. Voilà. Demi-tour, un petit tour à l'auberge. Nous allons tomber sur quoi? Un cavalier, combien? 4000. Les 6 cavaliers, ils vont me coûter la peau du cul chaque mois. En même temps, ça me fait une cavalerie. En même temps, ils vont mourir assez vite, vu qu'on est en guerre. Donc avec un peu de chance, j'aurais pas à les payer dès la première semaine. 4007, j'ai 12000 et quelques. Ça reste un peu moins de 7000. Un peu plus de 7000. Allez, je vous recrute. Je vous recrute. Ah, bonjour, eu le temps. Salutations, parlez-moi de vous. Mon père était un guerrier, il mourut en héros dans une bataille. Après sa mort, on m'envoya suivre une formation de prêtre. L'inconnu parle longuement de son passé révolu, fait de douleur et de gloire, de courage et de danger. Vous buvez votre bière et vous l'écoutez, le temps passe vite. C'est un picte, et il semble intelligent et vaillant. Il pourrait vous être utile dans vos déplacements à la fois pour la guerre et pour la paix. Enfin, c'est l'inverse, mais c'est pas grave. Alors, mais tu m'intéresses, toi? Le picte termine son récit, se penche en arrière, esquissant un geste de lassitude. Pendant ce temps, vous méditez sur l'histoire de sa vie. Peut-être aimeriez-vous rejoindre mon groupe pour quelque temps. J'ai une bonne éducation et de nombreuses années d'expérience. Je peux rassembler mes maigres biens pour vous rejoindre. Cela me convient de pouvoir utiliser votre expérience. Allez, je te prends. Pour un prix de 150 shillings, je vous prête ma vie. Oh, prête-moi ta vie, beau barbu. Allez, bon, laissez-moi quelques instants pour me préparer et on pourra y aller. Eh ben, on y va, mon gars. Go. Pardon. Go. Tiens, j'ai envie de visiter un peu cette ville aussi, tiens. Voir un peu. La nuit, sympa. Même les musiques sont sympas. Alors, je sais plus qui me disait, oui, baisse la musique, mais franchement, elle est pas bien la musique. Hein, elle est bien immersive et tout. Non, non. Mais j'ai essayé de la baisser un peu quand même. Allez, on quitte. Non, on reste ici jusqu'à nouvel ordre. On va passer la nuit. Il
et ensuite nous allons voir un petit peu par là ce qui s'y passe. Excusez-moi capitaine, j'aimerais vous dire quelque chose. Moi je me suis battu à vos côtés avec honneur, comme ici un fils de machin, mais votre sens du commandement ne vous convient pas tout à fait. Je m'en vais retourner chercher le chemin de la gloire de mon père. J'espère le trouver ou une mort glorieuse au cours de mes voyages. Adieu monsieur. Ouais, mais ce qu'il y a de con, c'est qu'ils ne vous rendent pas le casque et l'équipement. Peut-être puis-je vous persuader de changer d'avis. Très bien, je vous écoute. Allez, je te paye. C'est appréciable. Alors je suppose que je peux rester encore un peu et voir si les choses s'améliorent. On va à la guerre, mon gars. Allez. Ah, oh, merde. On sort, on va à la guerre. Alors, vous êtes un célèbre meneur d'hommes et un groupe de jeunes femmes souhaite devenir vos aides de camp. Waf. Allez, elles sont les bienvenues. Campement. Restez ici jusqu'à nouvel ordre. Ah, le roi machin souhaite vous informer que les seigneurs de Saxe assisteront à un banquet dans la grande salle de Siels et vous invite à vous joindre à cette auguste assemblée. Ah bah avec plaisir. En avant. Muman et Diffed ont conclu une alliance. Ok. Déclaration de guerre. Diffed a déclaré la guerre contre Connaught. Diffed respecte la nouvelle alliance en attaquant Connaught. L'épée a été sortie de son fourreau et le bouclier décroché du mur. La guerre est déclarée. La guerre est déclarée. Bon. Excusez-moi. Oh non, il commence à me saouler lui. Monsieur, depuis que je vous ai rejoint, je me suis battu pour vous avec acharnement. Cependant, je n'ai pas toujours été récompensé à ma juste valeur. Alors je rentre chez moi avec l'espoir que ma sentence d'exil soit levée. Peut-être puis-je vous persuader de rester. 187. C'est appréciable. Je reste. Ouais. Il commence à m'énerver là. Allez, on va aller voir. Après consultation des pères du royaume, Cutelf Winning a décidé de confier. Oh le salaud, il se l'est donné quoi. Hein. Il se l'est donné. Bon. Il y a de la bataille. Qu'est-ce qui se passe? Une bataille. Ici. 28 contre. Allons voir ce que c'est. Allez, on se les fait les pilleurs francs. C'est parti, vous battrez avec Syl en patrouille. Vous surprenez un affrontement entre Syl en patrouille et pilleurs francs. Vous décidez d'attaquer. On charge l'ennemi. Ah, et puis j'ai pas encore pris le bon truc. Bravo. Ok, infanterie, suivez-moi. Ah, où c'est que je pourrais placer mes archers? Infanterie, tenez-moi cette position-là. Ah non, on va subir la charge, c'est pas bon ça. Infanterie, tenez la position. Cavalier, vous me suivez. Ils arrivent ou pas? Ils arrivent. J'ai pas encore pris ma lance, quel con alors. Cavalier, allez cavalerie, chargée. Putain, foiré là. Oh, je me casse, d'accord. Allez, infanterie, chargez le reste.
Victoire! Victoire! Alors, qu'est-ce qu'on y gagne? Merci pour votre aide, monsieur. C'est une chance que vous soyez à proximité. Là, on y gagne déjà 4 francs. 4 francs 6 sous. Alors, on les prend. Ah, intéressant. Recruter. Salaire hebdomadaire 37, ouais. Lancier, recruter. Les tous, on va tous les prendre. Oh, il est joli celui-là. On te prend. On te prend. On recrute, c'est bon ça. 8000 par contre, vous hebdomadaire 4000. Alors, enterrer les morts, soigner les blessés. On n'a pas ramassé grand chose, si ce n'est ça et ça. Ok. Monsieur Hultan me fatigue. D'accord. Capitaine, je peux plus tolérer la criante ignorance de Hultan. Ouais, bon allez, c'est bon. Ah, mais ça se bat encore à côté. Ah, j'aurais dû monter mes troupes et tout. Bon, allez, tant pis, c'est parti. Alors, vous êtes 96 en état de vous battre, de combattre l'ennemi au nombre de 25. Allez, on l'attaque. Qu'est-ce qu'ils font là les cavaliers? Archer, tenez-moi la position. Infanterie, suivez-moi. Et les cavaliers ne me suivent pas là. Bon, les archers, il faut qu'ils suivent. Et voilà. Ça, ce sont mes archers. Ok, archer, tenez la position. Chargez. Merde, merde, ils sont où? Oh putain, les cons. À nous. À nous, il faut aller les soulager. Je suis en train de faire démonter mes archers. Oh oui, bien joué. Putain. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai fait démonter mes archers, remarquez au moins. Ah, je croyais qu'ils m'avaient suivi un peu plus rapidement que ça, mais mon infanterie, la prochaine fois je regarderai derrière. Un peu mieux. Bon, ils sont où? Il y en a encore un qui se bat là. Ouais, victoire, ouais, bon, ça aurait pu être mieux. Hein. Allez. Alors, merci pour votre aide, monsieur. Cela n'allait pas très bien pour nous, mais grâce à vous, tout a changé. Pas de problème. Ah, on recrute. On recrute, allez. On prend... les paysannes, on prend les francs, on capture. On regarde. Ah oui, ça c'est intéressant. Oh 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 oh. Oh oh. On va se l'essayer celle-là. Alors. Un petit tour. Capitaine, une bataille de cette intensité a tendance à faire grincer mes vieux os. Enfin, on les a battus à plat de couture, pas vrai? C'est Selwyn surtout qui leur a appris quelques techniques. Mais les anciens que nous sommes forment un bon duo et on ne s'en tire pas si mal, je trouve. Il faut savoir qu'à nous deux, on n'a pas loin d'une centaine d'hivers derrière nous. Vous les faites pas, jeune fille. Alors, très bien. Et ouais... ça me coûte de l'argent tout ça. Hein. Ok, on continue. Alors,
groupe Les Paysannes, ça me monte de camp. Ici, Frioc, on va lui parler. Frioc, montrez-moi vos compétences, Frioc. Oh, on va lui monter l'intelligence, la tactique. Et donc, tiens. On continue. Tiens, on va le monter Pédite. Bodéro. Bodéro. Que pouvez-vous me dire au sujet de vos compétences hein? Allez, un petit peu d'intelligence pour y monter la tactique. Et puis, arme à une main. Et arme à deux mains. Hop. Alors, laisse-moi voir ton équipement parce que là, ton bonnet de nuit, il pue un petit peu. 33, 32, 33, toc, voilà. Et là, 30. Et ben voilà. Et là, 15, 13. Et ben parfait. Et là, plutôt que d'avoir ça, je vais te filer ça. Ok. On continue. Toi, t'as pas de bouclier, je vais te parler. Laissez-moi voir ton équipement, mon gars. Je vais te virer. Ce couteau de merde et je vais te donner ce bouclier. Il peut pas. Et voilà. Il peut pas. Bon. Par contre, je peux t'équiper d'un casque. On continue à avancer. Toi, tu vas monter. Hop, ici. Toi. Ah oui, toi, je pourrais peut-être t'équiper. Laissez-moi voir votre équipement. Alors, oui, ça c'est de la daube. Regarde, je vais t'équiper comme un roi. Je pense pas que tu puisses prendre un bouclier encore. Si, super. Alors, hop, hop, ça c'est de la daube, je te mets ça à la place, pam, 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 c'est bon là, allez, on continue à avancer. Toi, je te parle. Que peux-tu me dire de tes compétences? Ah oui, je l'avais pas fait, merde. Ah oui, donc du coup, ça peut tout changer, ça. Non? Bon, non, pas vraiment, remarque. Ah bon? Bon, bah d'accord. Et là... Il est pas vraiment bien armé, lui, hein. Ouais, on va filer ça. C'est le grand couteau de chasse, pas très efficace. Hein. Bon. Allez, on continue à avancer. Hop, toi tu peux monter aussi. Laissez-moi voir votre équipement. 10-2, pareil. Ouais, je peux pas te donner grand chose. Hein. Hop, on lui augmente sa spéciale de frappe. Tac. Toi, on va t'équiper d'un casque. Il me reste encore deux casques. Ok. Un bonnet, donne-moi, hop, laisse-moi avoir ton équipement. Tac. Hop, laissez-moi avoir votre équipement. Tac. Et Utlan, il est où? Utlan, on pourrait lui parler. Et laissez-moi avoir ton équipement, toi, mon gars, on va te donner ça. Donner ça si tu peux t'en servir. Et non, forcément, je suis con. 13-4, d'accord. On va te donner un petit couteau aussi. Voilà. Et ça, ça protège les pieds. 10. Tiens. Ok. On continue à avancer. Confirmer. Un petit coup d'inventaire. Parce qu'à chaque fois. Ah! Ah oui, le con!
Je l'ai donné. Bon, bah tant pis, j'allais m'en acheter une. C'est pas bien grave. Et oui, je l'ai donné à l'autre là. Bon, on va aller voir s'il y a du monde là-bas. Ah merde, je vais d'abord aller vendre mes 12 bonhommes ici. Alors, oh, rejoindre le banquet. Évidemment, j'étais invité, j'y pensais plus. Alors, le major royal. Bonjour, major royal. Nous vous rencontrons à nouveau. Elrond petit patapon, nous avons remporté une belle victoire contre le prince machin. Qu'en dites-vous? Je suis honoré d'avoir combattu à vos côtés. Selon vous, qui devrait être nommé maréchal de notre royaume? C'est pour le prince machin, tel est mon choix. J'ai choisi le plus valeureux de nos nobles, une personne en qui j'ai confiance. Alors permettez-moi de vous dire qui je soutiens. J'aimerais présenter ma candidature. Ah, c'est très intéressant. Puis-je vous convaincre à me soutenir? Excusez-moi, je vais me faire entacher. Oh putain. Ah, il fait chier. Bon, eh ben tant pis. Ok. Programme d'action, hein. On pourrait aller attaquer. Il y a une force arrière, on pourrait dire que. On pourrait aller attaquer celle-là. Très bien, on y va. Mais si j'ai toujours le tour de mal, je vous tiendrai personnellement responsable. Ok, on va prendre congé. Allons voir celui-là. Nous nous rencontrons à nouveau, Elrond petit patapon. Je vous souhaite la bienvenue dans mon fief en cette délicieuse occasion. Et maintenant, qu'y a-t-il? Qui doit être nommé maréchal? Ouais, bah oui, ils sont tous d'accord. Puis-je vous convaincre de me soutenir moi? Excusez-moi, mais je ne veux pas entacher mes relations. Oui, donc à chaque fois. Puis-je vous suggérer un programme d'action? Qu'est-ce que c'est? Il y a une forteresse peut-être facile à prendre, celle-là. Pardon, mais je dois vaquer à mes propres occupations. Putain, je viens pas. Je vais me retrouver tout seul. Alors, toi, tu viens? Je vous reconnais, je m'appelle, je vous connais, je m'appelle Ronti Patapon, je suis le major, d'accord, du sud et seigneur de machin. Ok, j'ai entendu dire que vous aviez juré allégeance à notre seigneur, roi, machin. Prions pour que vous ne nous déshonoriez pas en vous comportant comme un lâche. Levons une chope de bière à la santé de notre roi. Ok, d'accord, puis-je vous suggérer un problème d'action? Je ne connais pas assez pour accepter votre conseil. Et droit pour le congé. Eh merde. Bon, normalement, il doit y avoir un tournoi là. Bon, déjà un petit tour dans l'auberge. Saxon, combien vous êtes? Je suis. Ouais, je te prends. Ici, toi, marchand d'esclaves. Hop, bonjour, allons, petit patapon. Je vais apporter quelques prisonniers. On les vend. On confirme. Hop. Ici, on reste passer la nuit. Demain, peut-être que le lendemain, il y a un tournoi. Après consultation, ah bah ouais, donc le roi du royaume a décidé de confier le titre de maréchal au prince Séowald. D'accord. Petit matin, le matin arrive. Est-ce qu'il y a un tournoi? Se joindre à la compétition. Pariez sur vous-même, 100 shillings, on y va. Il y a 4 équipes avec 6 combattants dans chaque. Eh ben, on y va. Oula. T'es à planquer, ouais. Oula, attention à gauche. Chargez-le. Chargez-les, ceux-là. Putain, je me casse la gueule comme un con, hein. Oh, puis ça arrive ici. Prends-toi ça. Ah bah ouais, tous contre moi, je peux rien faire. Je ne peux rien faire, je suis. Oh! Mais comme j'ai été valeureux, je passe le tour. Il y a 2 équipes avec 5 combattants dans chaque. On y va. Allez! On se regroupe, on les laisse venir. On protège nos bonhommes avec l'arme de main. Restez derrière, bande de cons! Allez, on charge. Prends-toi ça! Et ça! Et ça! Et merde! Oh putain, le con! Oh le con! Merci! Oh ben, on s'en est tous sortis, hein. Il reste 16 participants, 2 équipes avec 8 combattants dans chaque. Go! Alors, on se protège, on se protège, on se regroupe, on se regroupe. Et là, on charge!
prends-toi ça, arrête-toi. Putain, je l'ai pas eu. Allez. Continue. Allez, démonter. Prends-toi ça. Il est tout seul. C'est pas beau ça. Ça c'est de la victoire. Alors il reste 8 participants. Il y a 3 équipes. Ah, chacun pour sa gueule. On y va. Donc c'est moi qui viens attaquer en premier. D'accord. Allez, frappe-moi, frappe-moi. Merde. Il arrive là-bas. Ah mais putain. Oh l'autre il arrive, enfoiré. Et putain pourquoi ils s'en prennent tous les deux à moi? Pas heureusement parce que je suis à l'ouest. Mais pourquoi? Ah. Allez, viens. Viens, viens, frappe. Frappe, frappe. Ouais. Alors, tu recules. Prends-toi ça. Prends-toi ça. Allez. Ah bah oui, le con. Merde. Ah voilà. Quand même. Alors, il y a 4 participants, il y a 2 équipes avec un combattant dans chaque. Ok, c'est une demi-finale quoi. On y va. Tire. Tire. Ah merde, je tombe comme un blaireau. Allez, viens. Avec nos bonnets de nuit, on est mignon comme tout. Alors, tu frappes. Encore. Allez, encore. Hop, regarde. T'es excité, hein. Attends, j'ai pas de calmer, moi. Allez, approche. Recule pas. Frappe-moi, putain. On va pas y passer une heure. Ah, ça t'a énervé, on dirait. Allez, regarde, je pars pas. Prends-toi ce... Merde. Ah oh, t'as pris mal, là. Hein. Encore. Et encore. Hop. Et encore. Alors. Merde, loupé. Ah merde, mal joué. Allez, 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 allez. Putain, mais il est incroyable celui-là. Oh bah oui, bien joué le rond. Pougre d'âne. Force de jouer au malin, de vouloir le défier. Bien. Quand même. Et ben ça a été chaud. Et maintenant, il reste 2 participants. Il s'agit donc de la finale. Go. Bien, bien, bien. Qu'est-ce qu'il a comme arme, lui? J'espère qu'il a une lance. S'il a une lance, ça peut être jouable. Oh oui. Ah.
Forcément, il va se protéger. On va pas le toucher. Si on touchait une jambe, peut-être. Ah, dommage. Oh merde! Putain, mais je joue pas comme un blaireau! Prends-toi ça! Allez, frappe, 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 frappe! Prends-toi ça! T'es pas excité comme l'autre, toi, hein? Ah, si, un petit peu, tu t'excites. Ping! Merde, je tombe! Dans ta tronche. Je vais gagner. Je veux gagner. J'espère qu'il y aura un prix, putain. Allez, recule. Ah merde, mal joué. Eh, c'est chaud quand même, hein. Aïe. Oh merde. Ah là, il s'agit de plus déconner. Il s'agit de plus déconner. Putain, mais il va tomber cet enfoiré. Allez, frappe. Merde. Encore. Oh merde! Oh putain! Ah ouais! Enfoiré, putain, pas de chance. Il gagne le prix et la gloire. Ah, je suis dégoûté. Bon, lui, il voudra toujours pas me suivre. Eh bien, le rond petit patapon. Je vous souhaite la bienvenue. Alors, avez-vous... Non, puis je fais un problème d'action. Qu'est-ce que c'est? Il y a une forteresse. Ah ouais, non, ils veulent toujours pas. Évidemment, il n'y a pas de raison qu'ils acceptent. Bon. Eh, pas mal mon armure là. Regardons ça. Et pas mal. Bon. On va voir ce que ça donne sur le champ de bataille. Alors, on quitte la ville. On quitte la ville et on file voir ici. Ça se trouve, ils sont en train d'assiéger là-bas en plus. Non, pas encore. Alors, grande salle d'honneur. Une grossesse, mais ça va être la femme. Parce qu'il faut quand même que je pense aussi un petit peu à draguer. Si je veux m'élever dans la société, il faudrait que je trouve une guisesse. Alors, je ne pense pas avoir déjà vu. Je m'appelle Elrond Petit Patapon, votre service. Bien sûr, vous rencontrer est un plaisir pour moi. Pourrais-je en savoir plus pour vous? Je suis la fille de l'honorable Major Royal Machin. D'accord. Madame, j'aimerais vous dire que je suis votre plus fervent admirateur. Ah, quelle gentillesse, mais il s'est fait tard, je dois m'en aller. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'aimerais localiser quelqu'un. Bon, ça, je m'en fous, je dois prendre congé. Ok, et ça, ça doit être la femme de l'autre. Eh oui, c'est sa femme. Ok. Allez. Tiens, on va faire un petit tour à la cour du château. Sympa. Comme d'hab, très joli. Très très joli. Vraiment cool quoi. Bravo, bravo. Allez. Alors. Je vais m'acheter une lance. Recruter des troupes si on a, je ne sais plus si j'y suis allé. Place du marché, marchand d'armes, lance courte, remarquable équilibre, coup et stock, ouais, pas fameux, lance, 29-15, lance de G, je m'en fous, javelot, évidemment, c'est un javelot, grande lance. Ah ah. Je voulais me prendre une grande lance. Tac, 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 non, pardon. Tac, 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 tac. Allez, on y va. Alors, marchand de biens.
On n'a pas grand chose à lui vendre. C'est une tunique en lin, tiens. C'est tout. Demi-tour à l'auberge. Qu'est-ce qu'on a ? On va y rencontrer. Oh oh, des putes. Un milicien, combien toi ? 3 ? Allez, je vous recrute. Il va falloir vraiment que j'aille faire de l'argent rapidement parce que sinon. Les fermiers, tiens ! On va aller aider ces pauvres fermiers au passage. Le rançonneur, j'ai personne à lui vendre. Le marchand mystique, je m'en fous. Allez, on va aller aider les fermiers. Monsieur, vous semblez savoir manier l'épée et avoir l'esprit chevaleresque. Écouterez-vous mon humble requête. De quoi s'agit-il, mon brave? Une bande de brigands a trouvé refuge dans notre village. Ils prennent tout ce que nous avons, nous forcent à les servir et sont encore plus durs avec nous. Si l'un d'entre nous laisse échapper le moindre mot de protestation, ils tuent ce malheureux sur le champ. Nos vies sont devenues insupportables. J'ai risqué ma peau et je me suis enfui pour trouver quelqu'un qui pourrait nous aider. Pourquoi n'allez-vous pas voir votre seigneur? Il devrait pouvoir s'occuper de cette vermine. Je l'ai fait, monsieur. Mais les hommes de notre seigneur ne m'ont pas laissé le voir et m'ont dit qu'ils avaient plus d'important à faire et que nous devrions gérer notre problème nous-mêmes. Je vous en prie, monsieur, vous semblez être un homme courageux et un guerrier inspirant la crainte et de nombreux ennemis et soldats sont sans aucun doute à votre service. Si quelqu'un peut nous aider, c'est vous. Allez, je vais vous aider. Où se trouve votre village? Dieu vous bénisse, monsieur. Notre village est... Oh là là. Et ce n'est pas très loin d'ici. Eh ben, on y va, mon ami. À Gilles Rust. Voilà. Gilles Rust. Hein? Allez, on dit que c'est ça. On quitte. Alors, il est où ce beau village? Ah, bah, il est juste là. Mais il a déjà été pillé. C'est trop tard. Ah, le village est envahi par 34 Bagodas. Village païen à votre foi et haï par la population. Bah, c'est pas grave. On va se faire les bandits. Allez. Allez, deux. Vous tirez à volonté. Feu à volonté. Nous. L'infanterie. Vous me suivez. Chargez. Allez, chargez. Alors, on y va. Ils sont que 30 et quelques. On va les éclater. Ce sont des simples bandits. C'est parti! J'ai morflé avec ma belle armure. Oh, mais ils sont tous derrière moi. Mais enfin! J'ai pris encore. Mon cheval il a morflé le pauvre. J'ai l'impression que les cavaliers ont morflé. Putain, mais on les démonte pas hein, avec des miliciens, des soldats mercenaires et tout là. Il y a pareil sans foire. Ah, je le loupe. Merde. Là, ça va être chaud là. Némédé, cavalier, t'es où? Oh putain! Vous battez en retraite. Oh bah elle est belle celle-là, tiens, votre groupe perd 3 morales. Et ben voilà, mission échouée, empotée. Bon, et ben mission échouée. Bien, bah écoute hein. Alors, est-ce que ici, où c'est qu'il en est là l'autre là, que j'avais proposé d'aller assiéger. Le château là-bas. Restez ici jusqu'à nouvel ordre. Bon, allez, on reste sur le village. Là, il faut que je me fasse de l'argent. On va aller se faire. D'abord, on va aller voir si là. Qu'est-ce qu'ils ont comme troupe là-dedans? Oh oh oh, combien ils sont? 52. C'est même pas sûr que je gagne. Alors. Ah, cassons-nous!
sous la pression de vos armes. Ah mais c'est pas du tout ça que je voulais. D'autres seigneurs sont passés, il n'y a plus personne. On va acheter des provisions. Que dalle. Par contre on se quitte, on se barre parce qu'ils arrivent en nombre là. 52. Allez, on va piller celui-là. On ira espionner un peu là-bas. Allez, on attaque. Alors... faire une action style. Asservir les brûlés. Piller, brûler le village. C'est parti, piller, brûler le village. On va ramener de l'argent. Alors évidemment, il y en a qui vont pas être contents. Excusez-moi, madame, je veux dire capitaine, j'aimerais vous dire quelque chose. Monsieur, vous avez rendu un grand service en votre premier rendez-vous de groupe, mais j'ai bien peur que cette vie ne vous convienne plus comme celle de conduire. J'arrête, il fait trop froid, j'ai trop frein, et en fin de compte, tout ce que je veux devant moi, ouais, elle veut se barrer, quoi. Excusez-moi. Eh ben... peut-être rester... Excusez-moi. Ah, bah c'est gentil, elle reste. Allez, on continue à piller. Votre homme a mis à sac le village sur vos ordres, pillant tout ce qu'il trouve avant de mettre le faux bâtiment, les pièces et les objets de valeur. Trouvez vous rapporte 50 shillings. Ouais, regarde, ça va me rapporter 50 shillings. Oh oui, oh oui, oh oui. Oh oui, pff, la poterie. Allez. Allez, le beurre, ça facilite la vie en communauté. Le poisson. Ouais, le beurre encore, pourquoi pas. Du raisin, le poisson fumé, la viande de chèvre, la viande de loup, la viande de loup. Le pain, on le revendra. Le blé, on le revendra. On vous pique tout, je vous dis, on vous pique tout. Ah, bah, bah. On vous laisse 3 morceaux de pain, hein. Allez. On y va, les enfants. On se casse. Ah, puis il y a les vaches aussi. La vache, on laisse pas. Eh ben, on va aller vendre tout ça. J'espère, je n'apprécie pas, Ultan, cela, attaquer les voyages villageois innocents. Je prends en compte votre objection. À présent, regagnez le rang. Eh oui, forcément, ça leur plaît pas trop, hein. On comprend, on comprend. Allez. Place du marché, marchand de biens. Oh oui. Oh oui. C'est sur la garde. Oh oui. Oh oui, alors par contre, le pinard on le garde, c'est bon pour le moral ça. Ça on vend, la poterie on s'en fout. La vénaison, la laine on vend. Putain, ils en ont de la bouffe hein, là. Pour tenir un siège, ça pourrait le faire. Si je vends ça, tu vois. Oh, je perds 100 et quelques. Oh. Si je reprends ça. Bon, allez, j'accepte. Ça marche. Alors, demi-tour à l'auberge. Qu'est-ce que nous avons? Les cavaliers vont coûter encore la peau du cul. Nous, on laisse tomber. Je ne peux pas. On se casse. Nous avons 6000. Ok. 6000. Ok. On passe la nuit ici après tout, hein. Bien con. Bébé. Reste ici jusqu'à nouvel ordre. Et lui là, il fait quoi? Il fait quoi lui? J'aimerais bien aller assiéger. Ah, il voudra pas. Il va pas vouloir me suivre encore, enfoiré. Vous avez combien ils sont là? Ah ouais, ils sont. On est que 41, d'accord. Oula, oula, on se casse. Ouais, bon, bah, laissons tomber.
Hop, on va à Dofras. L'ancien, moi je m'en fous. Faire une action hostile, bien sûr. Piller, brûler le village. Ah, bah ils veulent résister, les paysans, on s'en occupe. Où qu'ils sont ? Ils sont là. Bon, laissons-les venir, hein. On est bien là, nous. Allez, quelques petits archers. De là, est-ce que je touche? Ah oui, joli. Loupé là, par contre. Ah non, là, je suis bien trop court. Là, ah, je suis trop court, mon dieu. Alors. Allez-y, allez-y, hein, tuez, tuez, tuez. Bah oui, ils chargent pas, ils te la télé, les archers, hein. Faites-vous plaisir. Allez, faites-vous plaisir. Ah, oh, j'aurais dû prendre mon arc ce coup-ci. Elle est jolie l'armure quand même, hein, mais bon. Elle est sympa. Ah ouais, ouais, faites-vous plaisir. Hein. Voilà, c'est bien. Continuez, bing. Ah oh oui, c'est comme à la foire du trône. Allez, bing. Ah, j'ai eu un blessé chez moi. Voilà. Bon, on avance un petit peu tout le monde. Reste encore. Allez, reste encore deux. Allez, faites-vous plaisir, les archers. Bon, allez, à nous un peu la cavalerie. Hein. On charge. Ah, bah ouais, mais poussez-vous. Ah, les cons. Ah, bah oui, j'aurais dit de me suivre. Oh putain. Paf. Oh, bah non, il l'a tué. Victoire! Bon, ça va, hein, tranquille pour nous. Allez, on continue. Piller, brûler le village. Mes excuses, capitaine. Je ne peux pas dire que cela me plaise, attaquer les villageois innocents. Ce sont des gens simples qui essaient de gagner leur vie. Si nous pouvions nous montrer un peu moins dur avec ces pauvres boucs, je me sentirais beaucoup mieux. Bah ouais, mais bon, là, pas du gain. Hein? Oh là, oh là, oh là, pas bonne nouvelle. Elle rompt petit patapeau, je ne peux pas, je veux pas, je vous en veux pas de m'avoir vaincu la dernière fois que nous sommes rencontrés, mais j'ai hâte de prendre ma revanche. Bah oui, là ils sont nombreux les salauds. Ah. Y a-t-il aucun moyen d'éviter cette bataille? Il est mon devoir de vous combattre. 96 contre 146. Option du commandant. Motiver, non, invectiver votre ennemi pour un duel d'honneur. L'ennemi ne semble pas disposé à accepter un duel. Bah oui, ils n'ont pas d'honneur. Bon. On va se battre, on va se battre. On va se battre. Alors, option du commandant. Motiver vos hommes. Damnation. Ça a pas marché. Alors qu'est-ce que je fais? Moi j'ai envie d'essayer de les combattre quand même. Allez, charger l'ennemi. On reste là, on reste là. Alors, archer, tenir cette position ici. Infanterie. Resserrer les rangs. Et on les attend ici. Archer. Escarmouche. Archer.
Reculez de 10 pas là, vous êtes en train de vous faire démonter. Cavalerie, me suivre, comme ça vous serez toujours auprès de moi au cas où j'ai un problème. Quoi, avec ton putain de drapeau là, si tu peux te niquer. Allez, on tient les gars, on tient. Ah, je l'ai touché mais je l'ai pas tué. On tient les gars. Allez! On tient! Ah putain, j'ai paumé ma putain de lance à la casser. Ah, il a été tué mon cheval. Allez, on tient les gars. Oh, c'est chaud, hein. Il y a des javelots, des conneries comme ça. Ouais. Ah, j'ai pris là. C'est chaud, les amis. C'est chaud, les amis, hein. On tient. En tout cas, c'est héroïque. C'est digne des 300. Ah oui, tiens, putain, j'ai pété la tronche à lui. Calme-toi. Il s'agit de tenir jusqu'au bout. Prends-toi ça. Et toi, ça, enfoiré. J'espère que je vais avoir des renforts. Prends-toi ça. Allez, on tient. On tient, les amis, on tient. Merde. Allez. T'es mort, toi. Toi aussi. Toi, t'es mort. Pardon. Allez, on tient. Oh, montre. Putain, attention, ils arrivent. Ah, j'ai plus de bouclier, il faut que je trouve un bouclier. Voilà. Merde, je l'ai loupé, cet enfoiré. Allez les gars, ça va être une belle victoire, ça en continue. Allez, on continue. On tient. Prends-toi ça dans la tronche. Et ça. Allez, encore.
C'est les derniers là. Oui. Prends-toi ça. Combien il en reste? 3? C'est pas possible. On va réussir, les gars, on va réussir. Vous rentrerez dans les livres d'histoire. J'aurais même trouvé un bouclier ou une connerie comme ça. Pas un bouclier, un javelot, voilà, histoire de participer un peu à la fête. Histoire de participer un peu à la fête. Alors, vous attaquez ou quoi? Vous allez bien être obligé au bout d'un moment, un par un là. Allez, venez. Éclatez-le. Voilà, bien. Bon, allez, je vais rougir encore un petit peu. Voilà, mon épée de leur sang. Alors, combien là? Les archers ils tirent pas. Avancez de 10 pas. Faites feu. Archer. Merde, pardon. Archer. Feu à volonté. Ils ont peut-être plus de flèches, remarque. Ah, ça doit être ça. Il les ramasse pas. Ah si, il y en a quelques-uns qui tirent quand même. Allez. Il reste plus que 4 ennemis. D'accord. D'accord. Vous les tuez ou on s'en occupe? On les charge. Ah, oh, c'est pas beau ça, regardez-moi ça. Le sang et tout, c'est magnifique. Allez. Infanterie. On se les fait. Il est mort, allez, on continue. Victoire! Bravo, 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 bravo. Belle victoire, mes hommes. Belle victoire. Alors, à 49 en état de combattre au nombre de 3. Bon, allez, on va voir mes soldats d'attaquer sans nous. Allez, voilà, il triomphe brillamment de l'ennemi. Ok, vous êtes désormais mon prisonnier. Eh oui. Qu'un seul survivant. Excusez-moi. Eh bien, écoutez, chers amis, c'est sur cette brillante... Excusez-moi, je voulais vous faire juste l'éloge de Friok. Il a été très efficace pendant cette dernière bataille. Vous avez bien fait de l'enrôler dans votre troupe. Il connaît quelques techniques intéressantes et c'est comme moi, un fin guerrier breton. Je vous le dis, le noble sang qui coule dans ses veines, tout comme dans les miennes, fait de lui un compagnon vraiment admirable. Très bien. Eh bien, chers amis, c'est sur cette bataille épique que je vous laisse. Et en plus, on a mis un sac... On récupère tout, c'est parti. Hop, 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 hop. Ah, on peut pas plus, d'accord. Pourquoi? En même temps, c'est bon. Ah, peut-être le blé contre le beurre, tiens. Et donc, évidemment, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour l'épisode numéro... Je sais même plus maintenant. Et numéro 12, évidemment. Allez, ciao, ciao, et à bientôt sur mon12bellicus.fr. Ciao.